Bonjour et bienvenue aux idées Trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, mardi 18 mai 2021, l'alerte concerne l'indice américain, le Nasdaq 100, l'indice des valeurs technologiques US, dans le cadre d'une stratégie à la hausse. Je vous montrerai également dans cette vidéo aujourd'hui comment placer un ordre stop sur la position. L'ordre stop est disponible depuis cette semaine, donc chez IG sur la plateforme Turbo. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, d'activer la clochette des notifications, ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos. Allez, on regarde en détail l'alerte qui vient de vous être envoyée. Donc, on parle du Nasdaq 100, donc comme je vous disais, l'indice des valeurs technologiques US, l'émetteur du turbo Redius, la place de cotation Spectrum, comme d'habitude. La barrière de désactivation choisie par Trading Central, 12819.64, direction long, donc nous sommes dans le cadre d'une stratégie à la hausse. L'analyse nous dit donc Nasdaq 100 en intraday rebond, le point pivot choisi par Trading Central, 13 071 points, la préférence donc acheteuse au-dessus de ce niveau avec des cibles à 13 525 puis 13 690 en extension. Le scénario alternatif, en cas de cassure des 13 071, une poursuite de la baisse sera envisageable avec 12 915 et 12 790 en ligne de mire. Justement, je vous montrerai comment placer un ordre stop en cas de retournement du marché. Nous placerons un ordre stop sur ce niveau, sur le niveau des 13 071 points, ordre de protection. Le commentaire du côté de l'analyse graphique, le RSI milite pour une nouvelle jambe de hausse, la clôture journalière au-dessus de la bougie baissière du 12 mai, appelle à un potentiel rebond technique. Sur le graphique, vous avez ici le RSI en bas, le graphique du Nasdaq 100, avec ici le point pivot donc choisi par Trading Central, 13 071 points, les deux objectifs ici en vert, et les deux objectifs en cas de cassure de ce niveau de 13 071. Et je le rappelle, on passera donc un ordre stop sur ce niveau. Justement, on va passer sur la plateforme de négociation, je vais vous montrer comment ouvrir une position sur ce turbo, comment le rechercher, bien sûr, tout ceci à titre pédagogique, et je vais faire ça dans le cadre d'un compte de démonstration. Donc, pour aller chercher le Nasdaq 100, je clique sur Indice. Nous allons ici sur US Tech 100, et je vais cliquer ici, en haut à droite, sur Long, pour ouvrir la liste des turbos longs disponibles sur le Nasdaq 100. Je vais vous remettre juste au-dessus de moi le détail de l'alerte. Voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est le niveau du turbo choisi, 12 819.64. Donc si je regarde dans la liste, il est ici, il a un effet de levier 22. Bien sûr, je le rappelle, vous avez la possibilité, si vous souhaitez suivre cette recommandation, d'opter pour un autre turbo avec un effet de levier différent. Donc pour un effet de levier plus important, il vous suffit de choisir une barrière de désactivation plus proche du prix actuel. Cela implique quand même un risque de désactivation plus rapide. A l'inverse, si vous préférez opter pour un effet de levier moins important, il vous suffit d'aller choisir dans la liste un turbo ayant une barrière de désactivation plus éloignée, donc un effet de levier moins important et un risque de désactivation moins rapide. Donc je reprends le 12 819.64, il est ici. Donc vous avez bien sûr son prix ici en temps réel. Ce que nous allons faire, nous allons ouvrir une position au marché, c'est-à-dire nous allons ouvrir une position sur le prix actuel. Donc ici, je laisse dans le type d'ordre le prix du marché. Je vais choisir la quantité. Ici, nous allons ouvrir une position sur 200 turbos. Là aussi, il est important, je le rappelle, d'adapter la taille de votre position par rapport à la taille globale de votre portefeuille dans le cadre d'un bon money management. Vous avez ici la valeur notionnelle de la position. Je clique sur aperçu de l'ordre. Placer un ordre. Voilà, mon ordre est exécuté. J'ai acheté 200 à 6.378, donc 200 turbos. Pour retrouver ces turbos, je vais donc aller ici en haut à gauche sur la plateforme dans position. Alors nous avions une position ouverte précédemment sur le brut, sur le Brent, pardon. Vous avez ici donc US Tech 100. Plus 200, donc nous sommes longs de 200 turbos longs. Vous avez le cours d'ouverture et puis vous avez bien sûr les gains et les pertes qui évoluent en temps réel. Alors nous allons maintenant placer un ordre de vente sur cette position.
Donc habituellement, ce que nous faisons, c'est que nous plaçons un ordre limite sur l'objectif qui nous est donné par Trading Central. D'ailleurs, je vais redescendre simplement ici sur l'alerte. Voilà. Donc vous voyez un point pivot, 13 071. Donc nous avions position acheteuse au-dessus de ce niveau avec des cibles à 13 525 et 13 690. Donc pour ce faire, si je souhaite placer une limite sur ces niveaux, il me suffit simplement ici d'aller choisir, vous voyez sur la droite dans le ticket d'ordre, l'ordre limite. Mais cette fois-ci, nous allons faire différemment puisque nous allons utiliser le nouvel ordre disponible sur la plateforme, l'ordre stop. Donc vous avez deux types d'ordre stop. Vous avez l'ordre stop ici au marché, donc un stop classique. Dès lors où votre stop est touché, cela envoie un ordre au marché en quelque sorte pour sortir votre position de façon immédiate. Et vous avez également l'ordre stop limite qu'on peut également comparer à la plage de déclenchement. Donc c'est un ordre stop qui va déclencher un ordre dans le marché, mais au lieu de le déclencher au marché, va déclencher simplement un ordre limite. Donc nous ici, dans cet exemple, nous allons choisir l'ordre stop au marché. Comme pour l'ordre limite, nous allons utiliser le pricer. Donc le pricer, je vous rappelle, c'est un outil qui est intégré à la plateforme qui vous permet de calculer le prix du turbo en fonction du niveau du marché que vous allez choisir. Donc je clique sur pricer. Je vais ici placer donc le niveau du sous-jacent. Donc vous voyez, on va s'inspirer ici du point pivot. Nous allons prendre donc 13 071, qui est le niveau donc d'invalidation du scénario donc donné par Trading Central. Vous avez ici un prix de turbo à 2,88, 2,884. Je fais copier sur l'ordre stop. Voyez bien sûr là, l'ordre stop c'est un ordre de protection hein, qui va nous permettre donc de limiter la casse, de limiter les pertes. Donc si le marché vient toucher ce niveau, donc le point pivot de 13 071, notre turbo vaudra 2,884. Donc notre position sera donc fermée. Donc vous avez ici les pertes potentielles calculées, je fais aperçu de l'ordre, placer un ordre. Voilà, mon ordre stop est positionné. Alors on le retrouve ici dans les ordres différés, vous voyez, il est ici. Alors, il est important de noter que pour le moment, vous ne pouvez pas placer à la fois un ordre limite et un ordre stop sur la même position. Donc si vous souhaitez placer un ordre limite, il vous suffira simplement de supprimer l'ordre stop. Voilà, donc en cliquant ici donc sur supprimer et de replacer sur cette position, donc vous voyez en allant sur vente, un ordre limite. Donc comme tout à l'heure, on va utiliser le pricer. L'objectif c'était 13 525 pour le premier objectif. Donc ici, alors bien sûr là je vais choisir l'ordre limite. Nous allons choisir 13 525. Vous voyez là le niveau est de 7,424. Je vais sur copier sur le ticket d'ordre. Je fais aperçu de l'ordre. Il me reste à faire placer l'ordre. Voilà, si je retourne dans les ordres différés, je retrouve à nouveau ici un ordre sur cette position, mais cette fois-ci un ordre limite à 7,424. Quoi qu'il arrive, vous gardez toujours la main sur votre position puisque vous avez la possibilité de supprimer cet ordre à nouveau. Vous voyez, si je retourne sur les positions, ici, en cliquant sur vente, vous pouvez reprendre la main sur cette position et faire un ordre au marché et faire simplement aperçu de l'ordre et placer l'ordre. Ici, bon, bien sûr, nous constatons une perte, ce n'est pas grave, hein, je vous dis, nous sommes dans le cadre d'un compte de démonstration. Je clique sur placer un ordre, voilà, je viens de liquider la position que j'avais ouverte précédemment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour, donc concernant le Nasdaq 100 dans le cadre d'une stratégie haussière. Je rappelle qu'il est possible également de vous abonner aux alertes de Trading Turbo directement sur le site d'IG. Également la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration. Vous voyez, vous allez sur plateforme de démo, ce qui vous permet donc d'ouvrir gratuitement un compte de démonstration pour pouvoir tester donc les différentes possibilités sur les Turbo 24. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, de bons trades et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les turbos. À très bientôt. Au revoir.